deuxième couplet. Croire Dieu. Amen. Amen. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur bénit chacun de nous. Amen. Qu'il bénisse aussi notre frère et nous dit. Nous sommes heureux. Nous savons que le Seigneur va nous parler encore Amen. Au travers de son serviteur. Amen. Père, dis-nous ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Bon, je vais quand même mettre un peu la pression au frère. Hein? Nous avons besoin, pas de paroles des hommes, mais de paroles de Dieu. Amen. Et celui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu. Amen. Et j'ai une pleine confiance que le Seigneur parlera au travers de lui. Amen. Amen. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Frère, ça va bien. Merci. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous l'appuyons seulement et que le matin de travail nous donne la salle. Nous voulons simplement dire à ceux qui sont là, vous l'avez fait. Vous l'avez vu, vous voyez, puis ça, baillez pour nous parler avec vous. Ne vous étonnez pas de ce que le frère est là à côté de moi, parlant cette langue que vous ne connaissez pas. Donc c'est une langue africaine. Ça s'appelle Lingala. Et moi, votre frère qui a eu la grâce de nous prêcher aujourd'hui, j'ai souvent des difficultés de bien m'exprimer en français. Je suis toujours à l'aise que je sois à côté de moi quelqu'un qui interprète comme ça. Parce que si j'arrive quelque part que j'avance pas, et que je crois que ce qui est important, c'est le message. Nous sommes pas l'église africaine. Nous allons l'église et avant l'ambo café caté. C'est l'église de Jésus. Et c'est l'église de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous. Pour la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Donc au bon de la colo. Bien-aimé Père Céleste, Mulingami, Tatana Lola, merci pour toutes les bonnes paroles qu'on vient d'écouter. Merci pour la bonne parole. Des paroles très puissantes. Maintenant que nous sommes toujours là devant toi, ce n'est rajoute encore. Afin que lorsque nous sortirons de ces lieux, tout ce qu'on puisse être agréable à toi, est prêt pour ton retour. Dispose tout notre entendement. Permets qu'on puisse t'écouter comme écoute un bon disciple. Seigneur, ceux qui sont là pour la première fois, toi, le grand Dieu, aide-les aussi à comprendre. Où est ta parole, Père? Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons, pendant qu'on est debout, dans le psaume 135. Nous lisons. Dans le psaume 135, le verset 6. Je lis l'écriture. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter des nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa le premier-né de l'Égypte.
Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles. Au milieu de toi, Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il n'y frappa des nations nombreuses. Et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens. Og, roi de Basan. Et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Seigneur, ton nom subsiste à toujours. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous asseoir. Et nous lisons encore dans psaume 115. Le verset 3. C'est vraiment puissant les paroles qu'on a écoutées. Il dit au verset 3. D'abord au verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Remarquez ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Donc Dieu a sa volonté. Et les hommes ont leur volonté. Mais Dieu, pour faire quelque chose au peuple, il a révélé sa volonté à son peuple. La volonté de Dieu n'est pas connue à tout le monde. La volonté de Dieu est connue qu'à un peuple bien déterminé. Principalement aux élus. Dieu révèle sa volonté. C'est ce qu'il veut. Seulement à ses élus. La volonté de Dieu n'est pas connue à tout le monde. Dieu a sa volonté. Et il change aussi les hommes selon sa volonté. Déjà Paul a été choisi selon la volonté de Dieu. Alléluia. Allez avec moi dans 1 Corinthiens. Vous verrez que la volonté de Dieu est importante. C'est ton Paul, apôtre des païens. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais écoutez comment est-ce que Paul a écrit. Nous sommes au verset 1. Il dit Paul appelé à être. Excusez-moi. Paul appelé à être apôtre. Paul, on a bien apporté là dans Thomas. De Jésus-Christ. Thomas à Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Dans Thomas, qu'outre à Mokano Nanzambi. Dans Colossiens chapitre 1. À Colossiens, il est encore ceci. À lui, sous Paul, apôtre de Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il Paul, on Thomas à Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Qu'outre à Mokano Nanzambi. Alors, pour connaître la volonté de Dieu. Pour accueillir par Mokano Nanzambi. Il faut premièrement que Dieu lui-même. Et c'est lui qui jambe yé moko. Qui t'appelle Abiangayo par sa volonté. Cela veut dire Dieu appelle ce qu'il veut. Jamba benga kabeba ya lingi. Il n'appelle pas tout le monde. Abenga kabatonio se pamba pambate. Et c'est lui que Dieu a appelé. Moko moto jambe si abengi. Cela veut dire c'est lui qui est sauvé. Moto ya biki sami. Parce qu'il y a les appelés, il y a les appelés. Mais celui qui a appelé, moto abiangami, élu de Dieu, akonami na nzambe. Ne doit jamais se perdre. C'est impossible. Et puis, ça est maté. Dieu ne peut pas t'appeler aujourd'hui. Et te perdre l'engagement. Non, mais c'est. Parce que ce qu'ils appellent. Il les appelle selon les plans. Parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il conçoit d'abord d'avance ce qu'il doit faire plus tard. Dieu a son dessein. Et dans son plan, il connaît des hommes, des femmes qu'il a choisis. Et ces hommes, ces femmes choisis par Dieu, qui sont dans son plan, ces femmes-là ne se perdront jamais. Et je vous écoutez. Parce que si se perd, Dieu est sous la sonde.
nzambe azangi kwenonga na mosala asali. Et le plan que Dieu conçoit. Bongo mwango nzambe si ayemi. C'est lui-même qui met ça en exécution. Yemo konda ko kisaka yango. Lui-même accomplit ce qu'il a conçu. Yemo konda ko kisaka mayakana kala. Est-ce que vous comprenez? Boko sokola. Donc nous voyons que Dieu appelle par la volonté. Et koko moni nzambe benga ka kuta na mokano na ye. Et quand Dieu appelle par la volonté. Mais si nzambe ko benga ko kuta na mokano na ye. Lui-même qui révèle sa volonté. Yemo ko kuya ko fongolela yo mokano na ye. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était appelé selon la volonté de Dieu. Thomas Paulo a bien gamaka kolandela mokano na nzambe. Quand il a été appelé selon la volonté de Dieu. Lo bien gamaka kolandela mokano na nzambe. Dieu l'a révélé aussi sa volonté. Nzambe ye ko fongolela pe Paulo mokano na ye. Ala avec moi dans Actes des Apôtres. Donc le message est à Alléluia. Amen. Donc il s'agit de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Pas ce que les églises. Pas ce que les hommes veulent. Mais seulement ce que Dieu fait. Et Dieu veut que les élus connaissent sa volonté. Mais par la grâce de Dieu, nous allons toucher cette volonté. La volonté que Dieu même nous a révélée. Et nous allons les faire. Dans Actes des Apôtres, na misala ya bantuma, Actes chapitre. Attends un instant, je vais trouver cela. Je la mangonga na zokasa yango. Actes chapitre 20, merci frère. Actes chapitre 20. Misala ya bantuma, mokapatuku bali na mibale. Actes chapitre 22. Misala mokapatuku bali na mibale. À partir du verset 14. L'ongoa verse ya zomina minei. Parce que Paul a été appelé selon la volonté de Dieu. Parce que Paul a bien gamaka kolandela mokano na Nzambe. Écoutez, ça c'est le témoignage de Paul. Le colita toli Paul a proclamé ça. Il dit au verset 13. Abina mlonga tumina misato. Et me dit Saul mon frère. Abisinga Saul onde kolanga. Il recouvre la vie. Zongela komona. Au même instant j'ai recouvert la vie. Imbalaka kana zongeli komona. Et je l'ai regardé. Bina talakiye. Il dit. Alobi. Le Dieu de nos pères. Nzambe ya batata na biso. Écoutez bien. Oyo kamalama. T'as destiné à connaître sa volonté. À voir le juste. Et à entendre les paroles de sa bouche. Premièrement, choisi par la volonté de Dieu. Et deuxièmement, il a été destiné à connaître la volonté de Dieu. Tu ne vas pas la connaître en priant. La volonté de Dieu, il faut que Dieu lui-même te le révèle. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ton culte aussi sera vain. Dans Ephésiens, remarquez ici. L'apôtre écrit clairement que c'est Dieu lui-même qui nous a révélé sa volonté. Nous sommes dans Ephésiens. Ephésiens chapitre 1. Alléluia. Est-ce que ça va? Dans Ephésiens chapitre 1, il dit ceci. À partir de verset 8. D'abord verset 7. Il dit en lui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Écoutez bien le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc si Dieu lui-même n'ouvre pas, ne te fait pas connaître sa volonté. Alors tu ne comprendras pas sa volonté. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7. C'est terrible, frère. C'est important de connaître la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7. Parce qu'il est parlé de la préparation. Et nous avons entendu, on a parlé des dix vierges. Remarquez si le Seigneur nous montre ce qui passera ce jour-là. De son avènement. Il y a d'autres qui vont réaliser qu'ils sont restés. Maintenant écoutez ce qu'ils vont dire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Verset 20. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entrerons pas tous dans le royaume de Dieu. Écoutez maintenant. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est capital. Donc il s'agit de connaître ce que Dieu veut.
Parce que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et nous avons dit dans le psaume 135. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Au ciel et sur la terre. Donc c'est important de connaître ce que Dieu veut. Donc, si tu ne connais pas ce que Dieu veut, ton culte sera vain. Alléluia. Amen. Tu vas adorer ça. Mais la solo pesa. L'adoration sera en dehors. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui adorent. Il y a plusieurs qui disent Seigneur, Seigneur. Plusieurs chantent les noms du Seigneur. Plusieurs vont à l'église. Mais ce n'est pas tous ces gens-là qui disent Seigneur. Qui sont enfants de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important que parce que c'est lui qui est de Dieu. Le premièrement doit connaître ce que Dieu veut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Il faut que Dieu lui-même te l'élève. Et Dieu ne donne pas sa révélation à tout le monde. Un jour Jésus a prié. Il dit j'étais loupé. Et ce que tu as cassé ce soir. Au sage et au fidélisant. Amen. Ici nous sommes ici pour la préparation. Notre réunion c'est pas pour manger. Nous sommes au temps de la préparation. Et le thème de notre prédication d'accélérer tout ici. Parce que nous sommes tous informés. Que bientôt le Seigneur va être fait. En regardant tout ce qui se passe. On n'a plus besoin de rester ici. Nous sommes au Seigneur pour faire la mon. Oui, frère, on n'a plus personne. Dans ce monde, il n'y a pas tous les homosexuels. Donc, il est ici sur ma sexualité, mais ils sont partis très loin dans ce mariage pour battre mon cycle. Il va la prendre à votre basse. Maintenant, j'ai appris en Allemagne. Ayoki en Allemagne, Kuna. Les zéophilies, ils ont commencé à réclamer sur les. Parce que si nous autres, on a mis à ma barre pour le capitaine de Malibala à Bango. Il faut qu'on les accepte pour ces mariages. Donc, ceux qui veulent se marier avec des chiens. Mais les gars, soyez moi comme moi, si n'est-ce pas les mariages. C'est mariage pour tout ça. Ah, voilà, n'a pas la prendre à votre basse. Et en Suisse. Donc, on a fait les sœurs de l'Église. Un père qui veut prendre sa fille. Tata Soka Lingi Mwana Naya Mwasi Oye Moko Abota. Il voit la mairie à la Suisse. Akeina mairie Pekuna Abali Eza Lango Mindondote. Voilà comment est-ce que le monde est descendu plus bas. Tala Lolenge Mokili Mokiti Na Seko Le Kanyoto. Alors comme il est descendu plus bas. Lokola Mokiti Na Seko Le Kanyoto Voye. Le Seigneur est à la porte. Amen. Kola Zali Lekite. Aujourd'hui nous disons vraiment Maranatha. Et notre présence sont là pour Korbaka Maranatha. C'est lui qui ira au ciel. Pourtant, c'est l'enfant de Dieu. Bobé, moi, dans mais qui est enfant de Dieu? Moi, dans un basali nani. Alors, avec moi, dans Romain. Parce que Paul a parlé de ça. Oui, Paul a levé la qui en haut. Dans Romain, chapitre 9. Alors, mon capoalibois. Et nous allons directement au verset 6. Tani, malheureux, comme on voit à Motoba. L'apôtre dit ceci. Thomas le vivoyer. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et lui, pour le bâtir, le balanzan, mais Zanga Kinguya. Parce qu'il y en a qui croient que la parole est sans effet. Maman, vous pouvez le balanzan, mais Zanga Kinguya. Mais je vous annonce ce soir. N'a pas que la parole de Dieu est puissante. Amen. Et le balanzan, mais Zanga Kinguya. Aujourd'hui, l'éloïe. Tout est possible à celui de Amen. Amen. Donc, vous pouvez prendre votre ennemi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et lui, pour le bâtir, le balanzan, mais Zanga Kinguya. Car tous ceux qui descendent d'Israël. J'avais pas d'Israël. Ne sont pas Israël. Israël était. Ah oui. Io. Il disait que nous nous sommes Israël. Israël. Il disait que nous sommes Israël. 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 Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bien qu'ils soient la postérité de l'Abraham. Écoutez, ils ne sont pas tous ces enfants. Ils ne sont pas tous ces enfants. Ils ne sont pas tous ces enfants. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Bien qu'ils soient sa postérité. Mais ils ne sont pas tous. Et Paul continue. Mais Paul a Kobi. Mais il est né à Isaac. Et la vie Kati na Isaac. Tu auras une postérité. Appelé de ton nom. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Paul veut nous montrer? Mais Paul veut montrer ce qu'il
ce que ça fonde. Pour côté, c'est Nigne et Mokosa, moi, en Zambie. Parce que tout le monde qui se dit enfant, est-ce que vous m'aimez que Basaliba en Zambie? Mais écoutez ce que l'Écriture dit. Oui, pour l'Icomier, Lobby. Parce que nous voulons témoignage de l'Écriture. Donc, on y met la cabelle, il y a l'Icomie. Au verset 8. Pour moi, Mouambé. N'importe l'Écriture. Donne-moi ton Iboï. C'est-à-dire que. Eli Korba Eti. Ce ne sont pas des enfants de la chair. Et Zaliba n'a pas outil à poser un tchotote. Qui sont enfants de Dieu. Mais Bango Wana va Zaliba en Zambie. Mais Kafi. Que ce sont les enfants de la promesse. Qui sont regardés comme la postérité. Mais Zaliba Kitani. Amen. En d'autres termes. Mais ce sont les enfants de la promesse. Mais Bango Wana va Zaliba en Qui sont enfants de Dieu. Mais Bango Wana va en Zambie. Amen. C'est important. C'est ça le mot du Kambo. C'est vraiment important. Et Zali Pinza la Motouya. Pendant quelques minutes avant de compris. Moi, mais tu m'occupes de ton bon là. Ouvre ton oreille. Fongola Lito Inayo. L'écriture, ce sont les enfants de la promesse. Zali Pano et la car. Parce qu'il y en a qui se disaient qu'ils sont là-bas. Maman, comment vous mettez les sous Zali Pano et la C'est vrai qu'ils sont nés là-bas. Sur le Pinza, ma bote à monter à Barayama. Mais quand Dieu regardait Abraham. Mais quand mon Zemba côté là à Barayama. Alors qu'Abraham avait plus d'enfants. Donc Abraham, votre cabane à Mingi. Mais quand Dieu regardait Abraham. Quand mon Zemba côté là à Barayama. Dieu voyait qu'Abraham avait qu'un seul. C'est merveilleux. Dieu veut travailler. Amen. Mais il travaille que dans le cœur qui croit la promesse. D'Exode chapitre 3. Et ça, à partir du verset 5. Dieu dit. Il parla à Moïse. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers et tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens. C'est une terre sainte. Et Zali Mabele est saint. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Écoutez ce que Dieu lui-même dit. Ça, c'est le témoignage. Il y a Moïse. Je suis le Dieu de ton père. Et il cite maintenant. Le Dieu d'Abraham. Quand il a dit Dieu d'Abraham, c'est parce qu'il avait donné la promesse à Abraham. Et Abraham premièrement, quand Dieu donne la promesse, que nous aussi acceptons. Abraham n'avait pas refusé. L'écriture dit Abraham il crut à Dieu. Et cela ne fit pas de justice. Voilà pourquoi Dieu est devenu son Dieu. Pourquoi il est devenu son Dieu? Parce qu'Abraham avait cru à tout ce qui était bien. Amen. C'était fini là. Il suffit de croire à
à ce que Dieu dit. Et bien, quand il y a un Zamba lobby, Dieu travaille dans le cœur de celui qui croit. Oui, il y a une grande différence entre croire en Dieu. Pour que ce nous allait qu'un condiment qui est Zamba Zalaka. Et croire en Dieu. Des condiments Zambi. Croire en Dieu. Condiment qui est Zamba Zalaka. Qui s'accanangote. Parce que les démons aussi. Pour te battre le point de ma tête, Zamba Zalaka. Croire en Dieu. Condiment qui est Zamba Zalaka. Signifie que tu crois que Dieu existe. Condiment de son nom Zamba Zalaka. Mais croire Dieu, c'est ça qui sort. Il y a mon débit qui sort. Croire Dieu, c'est accepter ce que Dieu te dit. Amen. Les amis, qu'on dit Zambé, qu'on y est dit ça. Amen. Est-ce que tout le monde va aller? Amen. Vous pouvez accepter cette parole? Est-ce qu'on peut dire Amen ici? Tout le monde va dire Amen. Votre Amen est fait. Amen. Vous allez prier. Amen. 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 Il s'agit de croire Dieu. Et comme vous allez, on dit Manzambi. D'accepter ce que Dieu dit. On dit Manzambi à l'obi. Quand Dieu te dit quelque chose. Jean Manzambi, quoi, il s'en dit Kambo. Dieu ne ment pas. Quand ma cause s'accate. La vérité sort de sa bouche. Sur le Makabe ou comme on le connaît. Quand il proclame sa parole. Comme on peut être dans le Banaye. Nous sommes appelés à accepter ce qu'il dit. Ton bien-aimé de ton dit Moya Koloba. Ne les même pas raisonner. Tout Kanisa Koutouke. Ne les aime pas. Tout Kanisa Kanisa Té. Que Dieu soit. Zaba Koumisa. Alors, Dieu ton témoignage. Comment Zaba Koupé Sanita. À Moïse. Et quoi il a mort? Je suis le Dieu de ton père. Nazali Zambé Atata Layo. Le Dieu d'Abraham. Zambé Abrayama. Le Dieu d'Isaac. Zambé Isaac. Mais Isaac avait promis. Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Isaac ne pouvait pas dire simplement. Ils ont fait gratter pour le bas. Mon Dieu. Zambé Nangaï. C'est le Dieu de mon père. Nazali Zambé Atata Nangaï. Isaac a dit c'est moi. Isaac a dit Nazali Zambé Nangaï. Parce qu'avec Isaac aussi. Pour te demander à Isaac à paix. Dieu avait donné la paix. Zambé fait ça qui est là. À Isaac. Et pas à Isaac. Isaac a accepté. Isaac a dimi. Et quand Isaac a accepté. Et quand Moïse a dimi. Je dis. Dans ma lobby. Je suis devenu ton Dieu. Isaac a gagné la commune de Zambé Nayo. Amen. Amen. Que Dieu soit. Zambé Amsa. Et il n'a pas terminé Isaac. À ceux qui n'avaient pas Isaac à terre. Et il avance. Accueillir les sous moi, les bossos. Il est le Dieu de Jacques. Yacobo. Mais malgré qu'il n'a pas cité Ismaël. Quand il a battu Ismaël, Ismaël était là. Donc Ismaël a Zalaka. Est-ce que Dieu c'est. Est-ce que Dieu n'a pas sa favoritisme? Mais bon, Dieu, c'est un Dieu de favoritisme ou quelque chose de ce genre? Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il avait choisi Isaac. Amen. Ismaël n'avait pas été choisi. Après ça, qui est la cam au côté. Il a donné aucune promesse à Ismaël. Ismaël a même été à ce côté, mais là. Ismaël n'était qu'un accompagnateur. Quand il était en train de dire le Dieu de mes pères, il ne faisait que des bruits aux oreilles de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de ces églises aujourd'hui. Le lendemain, beaucoup de mangos bâtirent qu'il est là. Forcément des bruits. Pour cela, quand même, à télé, les mazangatina. Parce que Dieu ne le connaît pas. Quand ils aiment beaucoup, voyez les mangos. Demande-le. Tout n'a mango. Quelle est la promesse de Dieu en ces jours? Et la terre en disant, mais pour aller le zanini. Ils n'ont pas la promesse. Voyez les mangos, les mazangs et la casse. C'est lui qui n'a pas la promesse. Mais ça, zangé la casse. Mais comment tu auras la foi? Pourquoi ça qu'on demande nini? Oh, l'écriture dit. Donc, elle est commis le vie. C'est pour la foi. Et ça, les derrière qu'on dit mal. C'était pas par les raisons. Et ça l'a fait au thème à la réponse est pour la foi. Et la foi fait de ce qu'on entend. Mais qu'on dit, mais où est-ce qu'on a mis le Koyoka? Mais ce qu'on entend, la parole de Christ. Donc, Koyoka, donc, on doit être le Christ. Premièrement, Dieu parle. Il y a des émotions, Dieu vient à Koloba. Et deuxièmement, toi, tu reçois. Mais il va les yoko, on dit, alléluia. Amen. Et troisièmement, Dieu te donne. Mais il y a mis ça, ton Dieu va couper ça, on dit. C'est Dieu qui donne la foi. Dieu m'a donné ça, qu'on dit. Mais il donne la foi. Quand c'est plus ça, qu'on dit. À celui qui accepte ça. Donc il était le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham avait la promesse. Oui, Abraham, Azalaka, Nelaka. Dieu d'Isaac. Zambé Isaac. Isaac avait la promesse. Isaac, Azalaka, Nelaka. Alléluia. Amen. Et Dieu d'Israël. Zambé Israël. Ça dit Jacob. Jacob à Jacob. Parce qu'il avait la promesse. Oui, Jacob, Azalaka, Nelaka. Dieu ne fait pas l'erreur. Zambé Azalaka, Libunga. Pendant qu'il disait ça à Moïse. Dieu savait qu'Ismaël avait existé. Vous savez que Ismaël n'est pas Azalaka, mon fils. Il n'a jamais parlé d'Ismaël. A-t-il encore bête de soleil, Ismaël était. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu. Bon, au moins, on a c'est celui qui a la promesse. Amen. Voilà pourquoi la promesse est capitale. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse a la parole de la promesse. La parole de la promesse est prêchée aux enfants de la promesse. C'est lui qui peut accepter la promesse. C'est seulement enfant de la promesse. Alléluia. La promesse demande à tout le monde. Et qu'est-ce que la promesse? Et la promesse, et la car, ce sont des bonnes paroles. Et Zali Balonio, son madame. Je répète encore. La zone de Yango. Qu'est-ce que la promesse? Et la car, et Zali Nini. La promesse,
Ce sont des bonnes paroles. Des bonnes paroles que Dieu prononce. Sur mes cellules. Alléluia. Mais en ce qui concerne la promesse, je dis à Israël. Israël. De toutes les bonnes paroles. Que le Seigneur votre Dieu. Prononce sur nous. Aucune ne reste sans effet. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment faut-il zangi kokokisa? Alors avec moi, écoutez comment est-ce que Salomon a prié. Mais aucun n'est seulement abondé là qui. Vraiment, c'est merveilleux. Isaac qui toque mingi. Dans un roi. Mon candel bosse avant le coumou. Je crois chapitre 7. Ne pense à mon capot à sambo. Est-ce que ça va? Et quoi, madame? J'aime bien le coup. Que Dieu soit loué. Dans un roi. Mon candel bosse avant le coumou. Chapitre 8, à partir de verset 54. Lorsque Salomon y achevait d'adresser à l'Éternel toutes ses prières, et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, le main étendue vers le ciel. Verset 55.